Non, c'est pas un relâchement, c'est un grand terme de match au niveau physique. On mène 2-0, donc il y a moins d'aussi de justesse technique. Il y a une équipe adverse qui se rebelle un petit peu. On a baissé de rythme surtout, c'est ça qui a fait que le match a été un paracoup en deuxième mi-temps. Mais c'est pas un relâchement voulu, je pense que c'est par rapport au fait qu'on a attaqué très 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 fort. D'ailleurs, on a eu plein d'occasions. Ça faisait longtemps, je pense, qu'on ne voyait pas une équipe aussi ambitieuse offensivement. Et après, il y a aussi un adversaire, il y a un terrain, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de choses. C'est très dur de jouer à Rades. Moi, voilà, c'est mon premier match ici, concrètement. On sent qu'il y a vraiment une attente, une énergie qui fait qu'il faut toujours qu'on soit bon dans la passe, le contrôle. Et voilà, et donc il y a eu un petit peu plus de déchets sur la suite du match. Mais ce n'est pas forcément dû à un relâchement. Oui, je suis satisfait. C'est un ensemble, c'est une équipe. On a joué en équipe, on a marqué en équipe, on a souffert en équipe. Après, on est une jeune équipe, il y a 13 nouveaux joueurs. Ça fait 2 mois qu'on a commencé, on a fait malheureusement que 2 matchs de compétition. On a une marge de progression et c'est ce qu'il va falloir qu'on montre à nos supporters et à tout le monde qu'on va s'améliorer à chaque match. Là, je ne me suis pas encore penché dessus, mais en effet, on a déjà vu un peu le contexte. Et on sait que c'est un championnat comme ça. On sait qu'à domicile, on aura un grand terrain, on aura notre public. Et à l'extérieur, il y aura plutôt des terrains un peu plus compliqués, plus petits, avec des adversaires qui vont vouloir battre des clubs supposés plus grands. Donc, on va préparer nos joueurs comme on a fait contre Bengarden. Là, on va surtout donner un jour de repos bien récupéré. Et à partir de mardi, on va préparer le prochain match.